machin. J'avais tellement envie d'arriver sous terre, quoi. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et les gens me voyaient toujours. Donc, où les mangos? Où les mangos? Où les... Et là, vous êtes censé faire les répondants normalement. Les plus épiques se sont passées dans ce que nous avons appelé le gîte. Le gîte en Guadeloupe. Après, j'ai jamais tué personne et j'agresse pas les gens en général. Hello, je suis Maleïka, chanteuse, comédienne martiniquaise. Folle, intelligente et aimante. Depuis toujours, en vrai, j'ai toujours chanté, mais ça fait plus de 10 ans maintenant que j'en fais professionnellement. L'artiste qui m'a le plus inspiré, c'est Erykah Badu. Après, j'ai toujours admiré Jocelyne Béroir. Et quand j'ai découvert Nina Simone, Diane Reeves, des divas du jazz, là, ça m'a vraiment motivé. Waouh, préféré, c'est chaud. J'ai pas de... Il y a plein de styles que j'aime, le reggae, le rap, le trap. Le jazz, le ballet, la soul, tous les styles que j'aime le plus. Presque tous, hein, j'ai envie de te dire. Je travaille encore plus le rap, trap, le dancehall. Je veux encore progresser. Dans tout, je peux progresser, mais c'est là où je travaille le plus en ce moment. Samba the Great, c'est une artiste africaine qui déchire. Il y a plein de gens avec qui j'ai encore envie de fitter. Yannis Odua. Vas-y de faire autrement, quitte à y passer plus de temps. Pour ne pas perdre la raison. Les majors, on a su faire sans indépendant jusqu'à présent. Pour ne pas. Kali. Regardez, couler de l'eau en musique ou qu'à monter, il qu'a vini plus clair. Mais des plus jeunes aussi, genre Kima, j'aurais bien aimé. Nous on sait jouer la guitare, depuis le succès ils sont bizarres. Pourquoi j'ai vu tout ça si tard? Pourquoi j'ai vu tout ça si tard? Et J.K. Vlar aussi. Dans le monde, au Kaifamou, ma carte est placée à tenter de mettre ton hibou, ma vie de là c'est tout fait sous. C'est mon prénom. Maleïka, c'est mon prénom et ça veut dire les anges. Je puise mon inspiration dans la vie. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup soi-même et les choses autour. Donc au fur et à mesure de mes expériences, de tout ça, je m'inspire de ça à chaque fois pour pouvoir donner du son qui aide les gens à traverser les mêmes expériences en fait. Je suis toujours sur Lucen de Yakuza que j'ai beaucoup kiffé. D'ailleurs, j'aimerais bien fitter avec elle aussi. Faire de rien, c'est parfois déroutant. Ce que tu dis, c'est pas très important. Sinon, localement, j'écoute ces derniers jours beaucoup de Bouillon en fait. Beaucoup de tic 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 chez Bagayla. Tic tic, ah, j'ai quoi, des trucs comme ça. Tic tic, bye, piché Bagayla. Tic 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 tic, pas chez Kokoa. Non, bon, c'est bateau. Là, c'est le seul truc qui vient dans ma tête, mais c'est. Tout le matin, police, j'alla en filature. Est-ce que nous qu'avons drogue? Bien sûr. Si perle comprend nous, si bloc, c'est pour jouer imbécile. Mon bayou anti-douette, yo les bagues là, ça pas possible. Donc, pour ça, piquer ni pièce, love. Pousser. Voilà. Mon processus de création, moi je suis vraiment très sur les vibrations en fait dans la musique, tu vois. J'aime beaucoup la voix déjà,
les sons, les trucs. Et du coup, même quand je pose sur Instru, je veux dire quand c'est pas en live et tout, en jazz ou machin, je suis très sur les sons. Donc je vais d'abord en faire des top lines en général. Et petit à petit, je mets des mots parce que ma top line a déjà une intention en fait. L'impro de ma top line raconte déjà une histoire, donc je vais juste mettre des mots en essayant de respecter, enfin de déformer le moins possible la vibration. C'est pour ça que j'écris rarement des grands textes très détaillés. Je parle plutôt en images. Et je laisse les gens faire leur sauce avec. Bien sûr, j'aime beaucoup le belet. Mais là, c'est chaud parce qu'on a tout à l'heure, on a fait un belet profanateur dans les studios qui m'a fait pleurer de rire. Et donc là, j'ai du mal à imaginer quelque chose, quoi. Mais où les mangos se rapprochent du belet beaucoup. Où les mangos, où les... Et là, vous êtes censé faire les répondeurs normalement. Où les mangos, c'est où les gars, où les mangos. Mais c'est à besoin de manger. Il faut qu'on vive, il est râlé. C'est où les gars, où les... Aïe. Et là, ça part. Où les mangos, où les mangos, où les mangos. Non, le belet, c'est la vie. Le belet, c'est la vie, c'est vrai, franchement. Il y a trop de vibes dans le belet. Le belet, c'est une musique de Batman. C'est une musique qui est dure. Dans 10 ans, sincèrement, j'aimerais bien que ma musique rayonne à l'international, que je puisse développer un maximum, puis créer aussi des trucs pour les autres, pour les jeunes et tout, avoir déjà assez développé moi-même pour être en mesure de développer des trucs en Martinique et dans la Caraïbe pour les jeunes artistes. Les deux. Les deux. Les deux, tu fais d'abord le showcase et après on va au sound system. Mais frère, non mais pourquoi choisir quoi? Je vais jamais vous raconter ça, c'est vieux. Non. Non, il y a un jour, en fait, ça regroupe une bêtise et une honte. Genre, j'arrivais dans une répétition et j'étais pas encore très intégrée, tu vois, dans le milieu de la musique à Lille et tout. Et là, on m'invite à une répète, il y a plein d'artistes, tout ça, machin. Et j'arrive et je dis bonjour tout le monde, bonjour, un peu gêné et tout. Et là, j'avais un gros sac derrière moi et je me tourne comme ça. Et le sac, il fait tomber un aquarium, les gars. Un aquarium grand comme ça, rempli d'eau, le truc se déverse dans tout l'appart de la meuf, frère. Ça touche sa chaîne Ifi, ça touche tous les trucs qu'il faut pas toucher. Putain, j'avais tellement envie d'arriver sous terre, quoi. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et les gens me voyaient toujours. Donc, voilà. Voilà. Mais après, tout le monde m'aimait bien. Ça, en fait, ça a marqué les gens. Jusqu'à maintenant, ils se souviennent de moi. Ils m'aiment fort. Ma plus grosse phobie, c'est les ravets. Je les déteste, franchement, je progresse là depuis quelques années que je suis rentrée au pays. J'habite toute seule, donc il faut apprendre à gérer, quoi. Mais je déteste ça, j'ai peur. J'ai très très peur. Je suis maman. J'ai une petite fille de 5 ans qui est super mignonne et qui arrive fort dans le game là. Elle va rapper, chanter, danser, la totale. Voilà, Mimi, bang bang. J'en ai plein, franchement. Le plus, c'est avec David Obadja et Asma Zulu. C'est des blagues toute la journée. Je suis mon bon épis, les messieurs, frère. Et les plus épiques se sont passés dans ce que nous avons appelé le gîte. Le gîte en Guadeloupe, il faut mettre des derrière et après ils parlent tout le temps comme ça, ils mettent
derrière chaque mot et c'est dégueulasse, ils sont répugnants. Et voilà, c'est des petits porcs. Ouais, voilà, voilà. Asnazoulou et David Obadja, frère, les gars, dormez, buvez de l'eau, ok, nettoyez vos bouches régulièrement. Et arrêtez de faire des chansons en dehors de votre travail, en fait. Travaillez. Voilà. Je pense que je serai en mode businesswoman à fond la caisse, juste make money, faire des grosses entreprises. Enfin, j'aurais été dans l'extrême inverse parce que je suis très comme ça, dans les extrêmes. Alors voilà, non mais j'ai fait beaucoup de choses illégales depuis petite, j'ai très peu respecté les règles, donc voilà, après j'ai jamais tué personne et j'agresse pas les gens en général. Son charisme, même si c'est dur à... c'est pas un truc physique, mais c'est ça qui m'intéresse en premier. Donc l'actualité, c'est le single M'envoler. Et puis à côté de ça, mon album qui arrive très très prochainement. Ça va arriver juste derrière. Donc voilà, enfin. Skinny ou chargé? Petit bidou, non, j'ai arrêté la tolérance. Ça suffit. Maintenant, non, on est exigeante et voilà, désolé. Assez bien, hein, franchement, ça fait longtemps que j'ai appris à attribuer la critique à la personne en fait. Quand quelqu'un me donne une critique négative, je me dis ok, cette personne-là pense ça quand elle me voit. Et souvent en vrai, je me dis ok, je comprends pourquoi et c'est cool, je suis ok avec ça. En fait, on peut pas plaire à tout le monde et je cherche pas à faire ça non plus. Tout le temps. Je suis tout le temps stressée. Je gère le stress de bien maintenant, puisque ça fait un moment que je fais ça, mais je suis toujours autant stressée. J'en ai eu plein. J'ai fait un concert devant 5000 personnes dans un hippodrome reproduit sur grand écran et tout. Ça, c'était magique. C'est super dit. Et après, les petits concerts aussi peuvent être vraiment stylés, les concerts télévisés, genre le Matinique Festival. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé aussi. Ce que j'aime, c'est la connexion avec les autres. Quand je suis aussi avec la Constellation, avec Izzy, Oba, Asna, Malik et tout, je kiffe. Franchement, en vrai, là, je pense que déjà, on est dans un timing où le focus n'était pas, parce que tout bouge très vite en ce moment. Mais musicalement, le focus est très sur l'Angleterre, sur London, sur tout ça, alors que pendant des années, ils étaient derrière aussi. Donc, je pense que là, les gens sont pas spécialement branchés sur nous musicalement. Mais au-delà, plus largement, je pense que... on n'est pas assez en bloc, en fait, pour le faire. Il y aura un artiste créole qui va passer comme ça, qui va placer deux mots de créole, ça reste exotique, ça, c'est mignon, deux secondes. Mais on n'enchaîne pas, en fait. On promotionne pas une série d'artistes qui déchirent en créole et dans différents styles, alors qu'on en a. Que ce soit rap, trap, belé, new belé, zouk, soul, jazz, il y a pour tous les styles. Mais on reste encore très fermé, en fait. En Martinique, je trouve, dès que tu proposes un style qui est un chouïa, même des instrus un peu différents de tout ce qui se fait, les gens ont peur en fait et ils se braquent et surtout les médias, il faut le dire, ils ont un peu peur de ça et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand on va exposer sur plein de styles différents avec des artistes différents qu'on va s'imposer vraiment sur la scène internationale. Enfin, je me rappelle toujours de la toute première vidéo que j'ai faite qui avait bien tourné. C'était pas un buzz de ouf, mais pour moi, en fait, je sortais à peine du lycée. J'avais fait une vidéo où je reprenais The Realest Song de Conscience. Et les gens avaient kiffé, ça avait tourné d'un coup. En un jour, j'étais passé à 4000 vues alors que j'avais même pas de chaîne YouTube, j'avais pas de Facebook, j'étais pas chanteuse.
normalement. Donc ça, ça m'avait marqué. Après, sinon, c'est à propos de mes morceaux, en fait, Dieu merci. Les buzz restent autour de ça. À chaque single que j'ai sorti, j'ai toujours eu une bonne réception, même si j'aimerais que ça aille plus loin encore. Ouais, c'était éprouvant, les gars. Si vous saviez tout ce que j'ai subi avant, des trucs... sexuel avec des chiens, donc pas des humains et des chiens avec des chiens. On va couper cette partie-là. Bref, alors, j'ai passé un super moment avec vous. C'était épique derrière, donc ne jugez pas si j'ai l'air éreinté parce que m'entendre tellement bagaille avant ça commence et que voilà. Mais c'était super cool. Donc, des musiques, Bang Bang, Jackson Studio, Jassav, Ra, Abbe. Oh, da-da-da-da. Papa, dis-moi, garder pour trapper ça. Maman, dis-moi, sans racine ou cadaï. Je sais comprendre qui j'entends pour fly. Mais en pas, j'arrive au la hanté pour aïe. Je des moods qui te die-die. On fait des baguettes qui te aïe-aïe. En paquet de moods qui ka fait style. Mais en silence, y'a aucun qui taille. Je veux m'envoler. Je veux m'évader, je veux m'élever, je ne peux plus galérer. J'ai trop donné, j'ai trop prié, là ouais je veux me tailler. Je veux m'envoler, je veux m'évader, je ne peux plus galérer. Oh, oh, et ouais je veux m'envoler. Sorti Sainte-Marie, l'éducation, ses erreurs, ça moins grandi. Lévé faute, foncé l'amant, ouais, bon la vie. Toujours toi aussi, toi ça, mon cimier la rie. C'est pas l'aide qu'en l'air, c'est méchant, méchant. Et c'est pas faible qu'en faible, c'est méfiant, mon méfiant. M'en parler de l'eau coco, ça m'en laisser, non, non. Pas fait y'au faire douter, ni ça ou ni en fond. C'est couteau, celles qui savent ça, qui en tchèji au monde. Qui t'est allé, oh. Lévé, ben ouais, je veux m'envoler. Je veux m'envoler. Et puis m'élever, j'ai déjà trop donné. Fermer mes yeux, voyager, Malika. Eh ouais, je veux m'envoler, je veux m'évader. Fermer mes yeux, voyager, et puis m'élever. J'ai déjà trop donné, je veux m'envoler. Fermer mes yeux, voyager, et puis m'élever. Oh, hey, c'est Malika, au Jackson Studio. Abbe, the guided, we're guided, still guided.